chica, ya lo fui a llamar con la restauración. Y ya lo fui a llamar, ¿no? Estoy en promes, como si tú y en la restauración. Y guardamos el punto de tener. Si tú no son programas. Tu vois, nous, pour le grand Bouen. C'est son plan. Il me l'aura dit Bouen. Ce n'est pas le plan de l'homme. Il me l'aura dit Bouen. Lorsque le temps arrive, il me dit Bouen. Dieu est obligé d'entrer en action. Avant de Bouen, je dis Bouen, avant de Bouen, la bouchard. Je veux juste prendre un passage en fait. Il y a mon anata, Kambilou, Kampanda, bienvenue. Le temps approchait. Vous devez accomplir la promesse de Dieu. Il voit la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Il voit pour l'aider au. Et le temps se sacrifie, mais il dit ça va, tout en ça. Et se multiplia en Égypte. Et pour là, on a tout Égypte. Jusqu'à ce que Paris parle au roi. Donc, il dit, bah, il n'y a pas le roi, nous n'avons pas le roi. Il n'avait pas connu Joseph. On voit qu'il nous manque Joseph. Quand le temps de l'accomplissement arrivait, vous m'avez dit qu'on a dit qu'on m'a dit qu'il faut nous pousser même. Tous ceux qui devaient prendre part. Dans ce que Dieu devait faire, commencez à prendre place. Les opposants venaient. Et ce que Dieu devait utiliser venait. Ils devaient être dans la même maison. Ils pouvaient être dans la même maison. Et cependant, chacun avait une chose à faire. La chaîne cependant, différentes de l'autre. Regardez que Joseph. Je voulais dire Moïse. Nous vous sommes dans la maison de Pharaon. Mais dans la même maison de Pharaon, il y avait l'ennemi d'Israël. Dans la même maison, il y avait Moïse. Qui lui devait servir à l'accomplissement du plan. Lorsque le temps arrive, dis-moi. Ça ne dépend plus de vous. Qui vous dit? Amen. Dieu fait paraître. Ça vient de jour là. Les semences qu'il avait préparées. Amen. Ces semences-là ne savent pas qu'elle avait été préparée. Qui m'a mis la tâche? Mais elle germe. Elle s'avance. Elle paraît. Ce n'est que lorsqu'elles sont mises en contact de la parole que chacune réalise sa position. Amen. Amen. C'est très important. Parce que nous vivons ici dans un pays où nous pouvons planter tout le long de l'année. Vous le savez. Mais malgré ça, nous ne pouvons pas planter toutes les semences dans la même période. Et donc nous sommes en décembre. Quelles sont les semences qu'on plante? Il y a un micro. Mais il y a deux, trois mois. Mais qu'est-ce que les semences sont plantées? Deux, trois mois avant. Il y a d'importantes semences sont plantées. Chaque semence
elle peut le faire. Vous verrez des feuilles. Elle va avancer. Mais vous attendrez le fruit. Et le fruit ne viendra jamais. Dans le plan de Dieu, vous êtes le champ de Dieu. Amen. Il y avait des semences. Aujourd'hui,
Amen. Amen. Est-ce que c'est correct ça? Et si je dis à un prophète envoyé, qu'est-ce qu'il a dit? Souvenez-vous de la loi.
serviteur, mon serviteur, auquel j'ai perdu en forêt tout Israël, et où l'attend pour lui chaque fois les babayis et les rougis, des préceptes et des ordonnances. Voici mon âme, je vous enverrai Élie le prophète. Alléluia. Amen. Moïse était le législateur. Moïse était le législateur. Nous disons que je l'avais dit au peuple. Si tu fais ceci, tu mourras. Mais quand Dieu a envoyé Élie, bien que le peuple s'était déjà détourné de la loi de Moïse, Élie a dit, revenez à l'Éternel votre Dieu, et il vous pardonnera. En rapport avec cet Élie, on vous dit d'abord, souvenez-vous de la loi de Moïse. Quand Élie vient, il va nous ramener quelque part. Élie n'amène pas sa loi. Élie n'amène pas sa religion. Élie va nous ramener quelque part. C'est très important. C'est comme ça que quand le peuple est revenu, selon le message de Jérémie, Dieu était avancé, le peuple avait faim, le peuple avait tellement faim, dans chapitre 2 d'Ezra, j'ai pas le temps de tout lire, mon frère a déjà bien parlé, au verset 61, beaucoup de gens se levèrent avec des ministères. Des ministères. Verset 61. Et parmi les sacrificateurs, vous ne pouvez voir au chapitre 2. On cite, celui en qui ils n'ont pas entendu parler.
vie des prédicateurs, si ils ne sont pas envoyés, il n'a pas été dit s'ils ne sont pas appelés. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Car celui qui est envoyé, dit les paroles du Seigneur. Celui qui est appelé, qu'il attend jusqu'à être envoyé. Il n'était pas très content. Verset 63. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saines jusqu'à ce qu'un sacrificateur, c'est-à-dire un sacrificateur confirmé, Amen. Qu'il ait consulté l'Urim et le Thummim. Voici l'Urim et le Thummim. Lumière et perfection. Quant à ton ministère, voilà qui nous allons consulter. Thank you.
élevé lui-même Ezra. Il n'a pas seulement élevé Ezra. Il a appelé Josué. Et il dit un jour à Josué. Josué au chapitre 3. Il dit au verset 7. L'Éternel dit à Josué. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. Afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Qui a élevé Josué? Mais c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Il est important qu'on réalise la chose. Oui. Au verset 2, au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez la jeunesse de l'Éternel contre Dieu, comptez par les sacrificateurs des Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Car vous n'avez pas encore passé par ce chemin. Amen. Amen. C'était les sacrificateurs qui portait l'arche. Le peuple devait céder. Mais si le peuple commence à passer devant, pour dire aux sacrificateurs comment faire, ça c'est du désordre. Bien-aimé, ce sont les syndicalistes qui rapportent les paroles du peuple. Les députés écoutent le peuple et viennent dire ce que le peuple veut. Mais les hommes de Dieu, ils écoutent ce que Dieu dit pour le dire au peuple. C'est pas au peuple à dire aux hommes de Dieu ce qu'ils doivent. Donne-moi un passage. Où il est dit que tu dois venir devant tout le monde.
le mariage va être honoré de tous. Et Dieu aussi va le dire pour vous, mais je ne pas trop. Alléluia. Amen. C'est vrai. Non, non. Mais s'il y a des choses qui ne sont pas contre la Bible, du genre, tu les aimes. Tu nous as dit. Je vais te enseigner le chinois. Du genre. Levez-vous pour qu'on lise la parole. Pour qu'on dise, ce n'est pas biblique. Vous levez pour le drapeau. Et vous ne voulez pas vous lever pour la lecture de la parole. Qu'est-ce que c'est? Signal. D'autres s'assoient n'importe comment dans l'assemblée. Si le président Kabila était ici, vous vous serez assis n'importe comment. Mais il y a ici plus que le président Kabila. Excusez-moi d'avoir parlé un peu en dehors du thème. C'est parce que la connaissance du les gens commencent à croire qu'ils peuvent enseigner leur conducteur. Si c'est comme ça que les prédicateurs s'asseyent, et que vous venez ici, il faut faire une différence entre la liberté que nous voulons vous accorder par la proclamation. En fait, cette liberté, c'est Christ qui vous la donne. Pour que vous soyez débarrassés de l'esprit nicolaïque, et de l'esprit de dénomination, mais ce n'est pas pour tomber dans le manque de respect, dans le manque d'obéissance, dans le refus de la conduite divine. Les dénominationnels tremblent devant leur pasteur. C'est ça mon vrai esprit. Mais la Bible dit que les anciens et surtout ceux qui travaillent à la prédication ont droit à un double honneur. N'avez-vous pas eu le respect aux serviteurs de Dieu? Amen. 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 C'est déjà encore une petite parenthèse. Parce que nous voulons que Dieu nous aide à tout point de vue. Parce que nous avons vu qu'il y a eu, beaucoup de choses qui ont été produites du bois. Bien du bois. Quand ceux qui n'étaient pas appelés au ministère, et d'autres se sont laissés entraîner aussi. Il a été dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 23, à partir du verset 21, je n'ai point envoyé ce prophète. Et ils ont voulu. Je leur ai point parlé. Et ils ont prophétisé. Mais s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Et les faire revenir de leur mauvaise voie. Mais amen. Amen. Verset 20. Commençons même au verset 25. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent dans mon nom. Le mensonge disant, j'ai eu un songe. Dieu ne nous a pas demandé de prêcher des songes. Quand vous voyez des prédicateurs qui montent, quand j'étais en prière, Dieu m'a montré qu'ils essayent d'avoir l'autorité sur le peuple. Amen. William Branham l'a fait. William Branham, il avait un appel spécial. Très fort.
Vous croyez faire oublier le nom
L'Écriture continue. Vous voulez dire tout le monde. Le verset 28. Le prophète qui a eu un songe. Prophète, comment vous faites-tu là? Raconte ce son. Alors le tueur te tient. Et que celui qui a entendu ma parole. Mais est moi pour vous dire, Yann. Rapporte fidèlement ma parole. Mais moi pour vous dire, Yann. A dit pas pour le chinois maintenant. Pourquoi mêler la paille au froment? Vous voyez, tu dis, pour moi, Natacha, bisote le froment. Mon songe, c'est de la paille. Ville bien nous, il dit qu'elle est sauce. La parole est une semence qui a la vie. Alors il dit, ma parole n'est-elle pas en feu? Dis Yanni, quand tu dis qu'elle est pas bien. Vous brûlez quoi? La paille. Et ma parole n'est-elle pas comme un marteau? Dis Yanni, quand tu dis qu'elle est vous brisez quoi? Vous sortez toutes les images babyloniennes. Vous sortez là. La parole de Dieu. Dis Yanni, tantôt c'est en feu. Oui. Bien aimé, nous n'avons pas un groupe ici. Non,
nous avons vu, le temps que nous avons dans ce temps de la fin, il a envoyé un ange. Alléluia. Amen. Un ange qui est un prophète. Il dit qu'à les prophètes. Regardez dans les sceaux. À l'ouverture des sceaux. C'est au chapitre 6. Mon chapitre 6. Quand l'agneau prit le livre. Il y a des hommes qui disent que c'est le Bradel qui a pris le livre. Vous dites pas la main pour le Bradel, mais pour le Bradel. Il y en avait un qui est assis sur le trône. C'est le Seigneur Dieu. Il avait le livre dans sa main. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne n'était dit ni de regarder, ni de prendre le livre. Jean, ni de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, se met à pleurer. Il dit, mais si personne ne pense le livre, nous sommes perdus. C'était le livre de la rédemption. C'était le livre de la propriété. Alléluia. Amen. Ce n'était pas la Bible. Que la Bible. Regardez-vous la donne. Nous la regardons. Mais ce livre-là, nul n'était dit. Amen. Ni de le regarder. Ni de le tenir. Amen. Je vous remercie. Amen. Et cependant, c'est vrai. Bien, parce que regardez, voilà, quand Jean se mit à pleurer, il me dit quoi, je viens de moi. Plein de derrière qu'est-ce qu'il y a lui. Moi, pour nous, ne pleure pas. Vous dites, le lion de la tribu de Judas a vaincu. Donc, le lion a vaincu. Mais que la bataille était terminée. Amen. Amen. Il a vaincu pour prendre le livre. Et donc, disait les sceaux. Jean regardait. Il voulait voir un lion puissant. Et il dit un la victoire, c'est dans la faiblesse. Amen. Si tu es fort, tu es là, deviens faible. Alors Dieu t'aidera. L'agneau. Et regardez ce qui est dit. À l'agneau. Apocalypse 5. Et je vis au milieu du trône, et les quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Verset 3, il vint, et il prit le livre de la main droite, et il était assis sur le trône. Quand il prit le livre, les quatre êtres vivants, et les 24 vieillards, qui était écrit dans le livre de
Jésus-Christ. Ça ne concernait pas le passé. Alléluia. Quand on ne sait pas regarder les choses correctement, on enroule tout. Et quand on sort, regardez, il n'y en avait qu'un qui s'assit sur le trône. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Mais quand on lui dit, le lion de la tribu de Judas a vaincu, il regarde du milieu du trône. Alléluia. Avant, il n'y en avait qu'un. Celui qui était assis sur le trône. Il envoie un deuxième. L'agneau. Mais où était-il avant? Il avait traversé les cieux, les cieux. Il est allé dans le Jésus.
à son image, à quel avec l'ouverture des eaux, toutes ces choses sont devenues claires. Quand l'agneau visa le premier saut, le premier être vivant, cria d'une voix de tonnerre. Il dit viens. Les tonnerristes disent, vous voyez, c'est Dieu qui a donné. C'était pas Dieu. C'était le premier être vivant. Il a parlé d'une voix de tonnerre. Et il a dit, viens. C'était le premier saut. C'était le début de l'église du Nouveau Testament. Regardez avec quel ils ont marché. C'était l'être vivant à la face de lion. Quand eux marchaient, personne n'osait s'agiter à eux. La puissance du lion était tellement là. Si personne ne faisait une véritable expérience, il restait au loin. Il tremblait. Ananias a essayé. Saphira a essayé. Ils sont tombés morts. Acte 5 dit, personne n'osait se joigner. C'était l'esprit du lion. Et pour l'avancer, on veut l'arrêter parce qu'on il dit j'en appelle à César. L'esprit du lion. Il renversait tout sur leur chemin. Alors, mais quand le deuxième saut commence, ce n'est plus le cheval blanc, c'est le cheval rouge. Le Seigneur regarde, vous allez vous dire ici, voilà. Il ne prenait pas l'esprit du monde. Il faut l'esprit de vous. Il est là, 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 à la mort. Il est là, il est là, avec le sourire. Il est là, il souriait. Il est là, il acceptait. Il ne leur faisait rien. Il est là, il est là, il est là, il est là, c'était dit, c'est l'esprit du c'était la face de l'homme. Il n'avait plus besoin de réfléchir. Il avait tout seulement la révélation. Il pouvait prendre l'hostie et dire au père, tu viens de prier. Oui, ce n'est pas le nom de Jésus. On n'avait pas besoin de s'inquiéter pour voir cela. Il prenait le vin. Il dit, vous dites que c'est le sang. C'est toujours du vin. Avec l'esprit de l'homme, il pouvait résister. Mais quand le quatrième cheval est venu, il n'était ni noir, ni blanc, ni rouge, il n'était pas. Une couleur étrange. Tout ce qui était avant là, retournez à Jérusalem. Si vous retournez à Jérusalem, mais vous faites des crédits.
Pour vous mettre à imiter. Nous êtes de Christ. Tout ce que vous voyez, on va dans le même. Tout ce que vous voyez, on va dans le même. Des imitateurs dans cet âge, il faut retourner au commencement. Car il s'agit de la restauration. Il faut que l'église du temps de la fin soit comme elle était au commencement. La même prédication. Alléluia. Amen. Comment se faisait la prédication au commencement? Un événement a eu lieu. Les hommes ont accouru. Pierre s'est levé. Il a dit non, Père. Ces hommes ne sont pas innocents. C'est ici. Et ce que Joël a fait. L'évangélisation du temps de la fin. L'évangélisation du temps de la fin. Elle doit être basée sur l'accomplissement des prophéties. Lui, elle évangélise. Évangélise sur la base des prophéties bibliques. Tu es un pasteur. Conduis le troupeau. Vous pouvez adorer vos pasteurs. Faites attention. Ce danger
changé toujours là. Je voyais pour nouveau. Né de nouveau. Vous voulez dire que ça va être apôtre. Vous êtes votre prophète. Vous êtes le prophète. Baptisé du Saint-Esprit. Le bien-aimé de Jésus. Mon âme royale. Il tombe au pied de l'argent pour la gloire. À cause de la grandeur de la révélation. À vous, pas vous, mais les rois. Vous voulez dire et il me dit, mais quoi, mais garde-toi de la faire. Je suis ton compagnon. Et l'autre main était occupée à prendre de lui. Ah,
Thank you.
devant toi. Je mettrai mon nom en lui. Oui, il lui dit, je marcherai moi-même. Alors, quand tu sais, c'est lui qui le jour de la montagne, avec l'ange, reçut les oracles. Alors, quand Moïse est dit, pécheront, l'ange viendra. Il est devenu Jéhovah Jireh.
Ayez pris le chemin. Montez des obstacles. Vous levez la bannière. Défiez notre bannière. L'Éternel notre bannière. Croyez-vous cela? Croyez-vous que vous avez